Salut à tous, bienvenue, voilà, on est de retour encore pour une autre vidéo sur la chaîne. Bon oui, c'est Alice qui a pris la parole pour une fois, c'est bizarre, hein. D'habitude, vous avez l'habitude d'entendre. Bah, pour faire simple, voilà, vous l'avez devant vous, deux magnifiques displays. On va vous montrer pourquoi, on va pas vous dire pourquoi. Simplement qu'on les a eu avant la date précise, on ne vous dira pas pourquoi parce que bah, voilà. Hein. Coup de peau, c'est tout. Hein. Et du coup, bah, je vais laisser parler Yumi, hein. Bah, même, d'ailleurs, qu'elle commence à boire. T'as l'air fait goûter, Blue. Oui, au passage, on a été sponsor. Ouais, on a tous dans nos petites boissons qu'on devrait chercher dans nos displays. Et du coup, bien bonjour, le bonsoir, la bonne arrivée, la bonne vidéo, comme ça, bienvenue. Bienvenue pour cette petite ouverture de displays de grands créateurs. Alors, pourquoi deux? Bah, parce que c'est les mêmes genres de displays que pour... Genesis Impact. Et bah, c'était la display de Evil Twin. Evil Twin qui est un deck que j'aime beaucoup, mais que je me suis réveillé un peu tard, je vais pas le cacher. Et du coup, c'était une galère pour choper les cartons d'Ultra. Et du coup, on s'était retrouvé à 30 balles d'Ultra. Bah, comment vous expliquer qu'on en a ouvert des displays, malheureusement. Voilà, et toujours plus d'Ultra pour autant, donc j'ai fini par les acheter à l'unité. On en a qu'une seule sur les 30. Une seule de chaque, il en fallait deux de chaque, donc c'était bien niqué. C'est un peu ça que j'aime pas avec les displays de genre, excuse-moi, t'es coupé. Non, vu. Ah, c'est un peu ça que tu vois, j'aime pas avec les displays comme ça. C'est que le problème en fait reste que, bah, du coup, tu sais pas ce que tu vas choper comme Ultra, et le peu que tu chopes une Ultra, tu sais pas si elle va avoir vraiment de l'argent ou pas, ou si ça va être une Ultra que t'as besoin. Parce que ouais, comparé au display principal où tu as 4 ultras, 2 secrets, ouais. Là t'as juste 3 ultras et puis après tu fermes ta... Hein. Ouais, c'est ça, là ils ont baissé le nombre d'ultras, ils ont augmenté le prix et baissé le nombre d'ultras, merci quoi. Konami, hein. On n'explique pas pourquoi. Hein. Non, mais ça n'a pas de sens à ce niveau-là. Mais bref, tant pis, nous on peut pas dire grand-chose, hein, malheureusement. On est les pigeons. Bah, la seule solution, tu vois, qu'on puisse avoir de notre côté, c'est de, du coup, bah, apprendre que de l'anglais. Bah bon, c'est notre galère, c'est autre chose. Une display anglaise actuellement, c'est environ 60 boules sur un Internet Market. Du coup, on fait moitié-moitié pour chaque display, moi je trouve, en vrai, ça serait mieux. Tu fais moitié-moitié pour chaque display? Ouais. De toute façon, on ouvre les deux displays. On prend le temps. J'ai réussi à la convaincre d'ouvrir les deux displays d'ailleurs. Tu vois, voilà, sur la vidéo, on va prendre le temps. Et de toute façon, à partir du moment où. D'ailleurs, du coup, quand on les a reçus en avance, je pourrais faire du montage sur la display. Et du coup, passer les communes, tu vois, s'attarder sur certaines cartes. Ouais, c'est pas faux. On pourra faire ça. Ça va être sympa. Bah, comme vous vous en doutez, je pense que certains d'entre vous ont déjà vu les vidéos par rapport à tout ce qui était Yubel, etc. Qui les ont reçus il y a déjà ça quelques temps. Droite ou gauche? Je vais prendre gauche. Ok. Je commence comme ça, après t'enchaînes sur le deuxième display. Comme ça, j'ai fait le mieux, je fais le début de la fin. Allez, ça passe. Donc, voilà, on va laisser ça là. On va faire simple, il y a le bling. Ouais, après, il faut ce qu'il faut. Hein. Allez, c'est parti. Allez, on veut du bref token, on veut de l'exorciste. Donc, genre, en plus, c'est trop simple. Pour savoir où mettre la carte, tu vises Evoli, tu vois. Au milieu, tu vois. Ouais, ça va. À peu près. Pas bête, ouais. À peu près. Hop, donc la petite forêt des fleurs perdues, lien des camarades, Gagakupunk, mutation d'insectes, un vecteur exoscarabée, épée, un vecteur exoscalibur et Joripunk, dangereuse gabu. Ok. On apprécie la supplée. Oh, j'ai mis les rares orcam en fait. Oh, ça c'est un peu dommage. Voilà. Hop. Bon, si vous vous demandez, il y en a Zector, mais en fait c'est uniquement parce qu'il y a une carte qui est sortie en TCG. Ouais, un peu plus, hein. C'est un deck de structure, ils ont pas fait une carte pour un deck. Si. Carpe Divem, qu'on a déjà le playset large, donc t'es bien. Papillon étoilé, oui, un Zector coccinelle, le punk carpe mouvante, appel à l'arsenal, de Noël, arme noble de la lumière, et du coup le cavalier griffon errant. Qui est très important dans Bref Token, que vous avez besoin juste en une fois dans le deck pour actuellement pouvoir le faire fonctionner. Ah, du coup c'est assez rigolo ça, parce que Bref Token c'est un nouvel archétype, mais qui n'a pas de nom d'archétype. Bref Token. Non. Est-ce qu'il s'appelle Bref Token le griffon errant? Ah oui, non mais c'est pas voilà, donc c'est bien ce que je dis. C'est dans les faits, excuse-moi. Non mais c'est dans les faits, mais donc c'est pas un archétype. C'est ça qui est rigolo quoi. Forêt des fleurs perdues, imitation d'insectes, insecteur sauterelle, exauceur armant, téléporteur d'urgence, Rizbel expert en étoile et l'insecteur libellule. Bah, c'est bien. Tiens, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez des trades. Je crois
crois qu'il y a même certaines trades qui ont été un peu mal faites, je trouve. En vrai, Exhauster, tu vois, c'est un peu dommage qu'ils l'ont fait. Bah, non, c'est de la trade littérale. Ouais. Exorcister, Exhauster, tu vois, c'est de la trade littérale. Ouais. Donc là, pour le coup, on peut rien dire. Par contre, Elise, ils savent pas qu'il y a un E à la fin ? Ah oui, j'avoue ça. On vous montrera si on chope la carte. Mais voilà, pour faire simple, bah, Irène. Caspitel, déjà. Irène. Castel. Castel, des charges de tonnerre. Et No Punk me dit de renard, c'est la double. Ça fait déjà la deuxième. C'est la double. C'est la double, c'est génial. Parce qu'on a dans la display qu'on a déjà en off. En fait, oh, un petit message de. Malheureusement, je peux pas t'entendre, malheureusement. Tu es chaud pour faire NGM jeu de rôle ? Bah ouais. Ouais. Je pense. Ah. Alors, on va répondre tout de suite. On est en live, hein, les gens qui regardent la vidéo sur YouTube. Voilà. Hop. Alors oui, pour faire simple, on est également, comme vous l'avez dit, on est en live de base. Voilà, vous voyez le live et tout, c'est bien, vous voyez la qualité, tout ça. Et on est également en vidéo. Et ben Wagon, du coup. Merde. So far, so bad. Hein. Non, bah écoute, pas tout ouvrir tout le temps non plus. J'espère quand même. Par contre, tu vois, c'est que là que j'ai peur. Si je me demande si les cartes de Brave Token ne sont pas short print, hein, sans déconner. Je sais pas s'il y a vraiment encore du short print. On a eu la Madame Araignée pour Punk. Ah, voilà. Tu vois qu'il est vite fait, je trouve. J'ai mis la chance d'être joueur, pas dans l'immédiat, mais... Charge à joueur, je suis trop souvent dit, j'ai jamais la chance d'être joueur. Pas dans l'immédiat. Il s'est sur une insecte. Une carte de Dracos, une carte de Dracos Token d'ailleurs, Dracosac. Ouais. Et un Vector Picofena qui a sa édition super. Ouais. Qui était pas le cas, je crois que c'était une commune avant. Ouais, il me semble une commune ou une rare, je crois. J'aurais pu le dire. Non, mais c'est ça, hein. Du coup, après, on change. Vu que ça va être à mon tour après. Bah, non, tu le fais là, c'est bon. Tu arrives, hein. Moon aussi, je suis pas en face, hein. C'est ton sourire, avec ton mille pattes, papillon étoilé, appel de l'arsenal, lien des camarades, Gagaku Punk, Rim Tandiablé, Exos Mikaelis. Pardon. Après, tu dis que c'est moi qui fais chier le monde. Quoi ? Tu viens littéralement te faire check la caméra en mode 1. Hein. Bon, fais voir. Je vois pas le problème. Mikaelis. Oui, si vous vous demandez. Non, c'est trop bien parce qu'en fait, avec la display qu'on a ouvert en off, on a tout. Du coup, j'ai tout. Du coup, j'ai littéralement tout. Voilà, là vous voyez. J'ai bien. Au moins un exemplaire de chaque carte. Extra et main deck. Donc, voilà. Donc déjà deux ultras, ce qui veut dire que techniquement dans le restant de la display il reste une ultra voire plus. Un minimum une, ouais. Ça serait bien déjà que ça soit une ultra. C'est ça, ouais, exactement. Moi je t'en rends ciel. Moi je t'en rends ciel, un Dectax Scarabée, Dectax Mille Pattes, Punk machin truc, Gogi Paul, Punk carte montante et un Dectax Limu une fois deux. C'est bien, ça fait déjà une reprint. Enfin une reprint, un double. Bah après pour ceux qui cherchent. Bah, le deck injecteur peut. En vrai, le deck injecteur avec la nouvelle carte, il y a moyen de le comboter avec. J'ai entendu parler qu'il y a moyen. Enfin, j'avais vu qu'il y avait moyen de comboter avec Beatrooper, mais bon, c'est tout. Non, c'est ça. Hein. Et Girbin. Girbin, tu l'avais pas, il me semble. Déjà une fois, ouais. Seulement. Deux fois. Donc là, j'ai placé de Girbin. Bah, c'est bien. Ouais. Alors, oui, si vous vous demandez également, je tiens à préciser. Mais dans le cas où je chope quelques cartes Brave Token, genre au moins de quoi avoir de. Au moins de, genre au moins une des deux, chaque ultra que j'ai besoin, il y a des chances qu'on ce soir qu'on fasse un duel exprès avec les nouveaux archétypes. Oh mon Exhauster, c'est bon, il est sorti là. Nani. Ah là c'est bon, j'ai toutes les cartes extra en x1 donc Ah tu peux faire les comment t'appelles ça les. Ah ouais, moi j'existe pendant ton tour de toute façon donc Oh putain. Ouais, Irène. Irène que j'ai beaucoup trop. Castel et souffle de la résurrection. Alors ça c'est rigolo, c'est pour Brave Token. Ouais, et du coup tu reçois pour le coup. Souffle de la résurrection, donc c'est très bien. Maximum de monstres depuis ta main, d'abord spécialement depuis ta main au cimetière de noms différents, mais tu les bannis lorsqu'ils quittent le terrain. Ouais, et vraiment c'est une carte. C'est un monster reborn si vous contrôlez un Brave Token. Alors, donc en fait en soi c'est sympa. Macam, s'il te plaît. Sur la droite, mais un petit peu plus sur la droite.
Allez. Focus. Merci. Sous de la résurrection. Je vous laisserai mettre pause, peut-être zoomer un poil pour lire ou quoi. C'est vraiment très intéressant, sous de la résurrection, parce que c'est pas une carte qui a été spoil dans les annonces. Et vraiment, elle fait des trucs, mais vraiment. Donc, ça bah, peut écoute. Être intéressant en cas où vous. Enfin, en fait, ça peut être intéressant si les monstres en question que vous invoquez spécialement ne sont plus utiles après. Du coup, c'est à moi. Je le sens. Vas-y. Donc, bah, comme vous voyez, 12 boosters encore ouverts, une moitié de display, forcément. On va commencer par le tout premier, par le tout premier booster, du coup, apparemment. Mais du coup, voilà. Un Zector Exascarabée, un Zector 1000 pattes. Joriri Punk Surprise Nashiwari, Goki Paul. Ukiyo-e Punk Carte Montante, un Zector Selon et Exhauster Vadis. Que j'ai x12 du coup maintenant. Mais... C'est vrai qu'Exhauster c'est assez facile à choper pour le coup. Hein. Ouais, j'ai l'impression que ouais. Bah, jusqu'à maintenant en tout cas c'est plus simple à choper que Evil Twin à l'époque. Arsenal Secret. Zaralaam, le palais des ténèbres, hommage torrentiel, Dunel, arme noble de la lumière, Goki Paul, papillon étoilé, guerrier imaginaire des reliques. Ça c'est du truc Brave Token, mais ce n'est pas intéressant dans dans l'engine en question. Ouais, c'est le moins intéressant. En fait, le seul truc qui est bien avec, c'est qu'en fait, tu peux c'est un 2003 qui, c'est un 2003 que tu peux invoquer spé si tu contrôles un Brave Token, il semble. Bah après, dans une idée de turbo qui se rend 4, tu vois. Épée Inzector, Zecta Calibur, Tracker Psychique, Ukiyo et Carpe Montante, Exhausteur Caspitel, Imé du monde virtuel Nyan Nyan, Dracobac le dragon chevauchable, et Joey Punk Dangereuse Gabou. Ouais. Mm-hmm. So far, ah, j'espère que la deuxième satisfait, pardon, elle va sauver le coup, quoi. Ouais, bien sûr. On sait au pire, voilà. Un Zector Exalucan, Exhausteur Irène, Arsenal Secret, Babe. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Maniero Psychique, Castel, le mousquetaire Chassiel, Tracker Psychique. La Collector! La Collector! La Collector! Oh, ça va! Ça va, faut fêter ça! La Collector! 80 balles, mais non! 80 balles, je sais pas, attends, je vais checker le prix. Ouais, je sais pas, Frondado aussi. On va remettre la cam bien. La collector, c'est la première fois que. Enfin, non, c'est la deuxième fois que dans les normes, tu me diras. Mais je trouve que les collectors sont mieux faites maintenant. Ah, celle-là, elle est propre. Avant, bah, ça veut dire qu'avant les collectors. Attends, je montre la cam. Je vais t'expliquer pourquoi je trouve maintenant que les collectors sont mieux faites. Avant, si tu veux, tu avais que l'effet sur le bord, tu vois, et sur l'image, d'accord. Mais pour ceux qui ont déjà une collector en main, ou sinon ceux qui... Ah d'accord, elle est vraiment surépaisse. Elle est vraiment une surépaisseur, tu le vois vraiment. C'est quoi déjà le nom? C'est No Punk Danse de l'Ogre, GRCRFR06. 006 hein, forcément. Donc, tu vois, bon bref, du coup je reviens à mon explication et je sais pas si j'y arriverai à te le montrer à la cam. Je vais essayer. Le focus s'il te plaît. Le focus. Ouais, c'est ça, 50 balles. Du coup c'est bien parce que tu vois, c'est que du coup c'est une ultra qui part déjà en moins. Voilà, c'est ça. On a ça, du coup, et je sais pas si je vais réussir à te le montrer, mais du coup, on a un effet, enfin, si je te dis l'effet digital, tu sais, le truc quand tu grattes, quand tu fais qui. Bon, bah ça, maintenant, on l'a sur toute la carte, même la zone de texte, on l'a. Et là, maintenant, je trouve que ça a un sens, et que la rareté a trouvé sa patte, là où on l'avait pas, tu vois, avant. Là, je trouve que la rareté, elle a vraiment un truc. Je t'en prie de me la donner, s'il te plaît. En tout cas, sur le devant, je ne vois rien. Je ne vois rien du tout sur le devant. Pour moi, elle est limite. Ouais, elle va y être. Hein. Je vois rien du tout sur l'image. Rien du tout sur le derrière. Elle est limite, hein, pour le coup. Donc, on est bien. Hein. On est bien. On est bien. On est vraiment bien. Bah, du coup, tu mets les collecteurs à part. Bah oui.
Allez. Donc on aurait eu deux ultras et une collector, hein, donc on n'aura pas qu'une troisième ultra. Franchement, je pense, hein. La collector elle sauve un peu, je vais te dire. Oh, quoique la troisième ultra, il y a moyen. Rushbell, Rushbell, Expert en étoile, Exosar Caspitel, Coccinelle, Décharge de tonnerre, Italy, je dis Italy parce que bon voilà, Charakusai et Gagaku Punk, mais claque pas les cartes comme ça, c'est des sous ça. Ouais, ça 2 centimes c'est bien. On va pas me dire que ça vaut quelque chose cette carte. Bah écoute, on a déjà un acheteur. Donc voilà, hein, on va faire attention à ce qu'on fait. Exécutant 1000 potes, appel à l'arsenal, imitation d'insectes, Zara la âme, le palais des ténèbres, Rizbel, l'expert en étoile, Castel, Exosar Vadis. Oh, l'Exosar Vadis. On aurait une bonne base Exosar aussi, hein. Enfin, une base de magie de piège. Hein. Parce que les monstres, un peu moins. Solemn Strike. Très bonne reprint, ma foi. Oh, clairement. Toujours bon. Et un secteur Exascarabée. Mais c'est à l'endroit. Ah, excuse-moi. Ah. Dracobac, le dragon chevauchable. Hommage torrentiel. Yukio et Punk Charakusai. Un secteur frelon. Un secteur libellule. C'est les 7, hein, pour libellule. Oh, c'est horrible. Les cartes un secteur là-dedans, j'ai l'impression qu'elles sont mais ultra print. Hein. Le total contrat de Short Print. Hein. Mais oui, mais chaleur, mais tu peux dire chaleur, gros. Gros, on a une collector. Eh. Ça, mon pote, c'est 60 balles. Hein. 50. Eh, merci hein, quand même hein, pour la collector. On dit pas non. Hein. Ah, on voit pas bien avec la sleeve, mais tu ouais, verras. Malheureusement, c'est pas sur la rediff qui sortira fin de semaine. Exarcisseur Carpe Divem. Humé du monde virtuel, Nyan Nyan. Italy, Zara la âme, Gaga Punk Ritmo Jablé, Exosar Arment et un No. C'est Armand. Armand, ouais. Pourquoi Arment? T'es en français? Ouais, bah Zamin, allez, Zona. Un Zector Sauterelle, Dracobac, le dragon chevauchable, Imid le monde virtuel Nyanya, Hommage Torrentiel, Ukiyo et Punk Carpe Mentant, Tracker Psychique. Et Guy imaginerait des reliques. Ouais. C'est marrant parce que j'ai l'impression que toutes les cartes qui demandent d'avoir un bref token sur le terrain, elles sont en rare slash super. Armand, et que le bref token, c'est une ultra. Manirou, Zek Talibur, Surprise Nashiwari, Lien des camarades et un souffle de la résurrection. C'est très rare d'en choper, j'ai l'impression des souffles. Ouais, bah écoute, hein. Excusez-moi. Vas-y, vas-y. Du coup. J'ai galère à l'ouvrir celui-là. Ouais, là, bah, oh, c'est sûr, on a une collector. Hein. Gagaga Punk Rhythm Jablé. Exosar Carpe Divem. Goki Paul. Forêt des fleurs perdues. Alors, autant tu vois par contre les artworks des terrains, des bref tokens. Franchement, j'aime bien. Arsenal Secret. Dunel, Armand de Lumière et une Exosphère Stella. C'est bien. T'avais pas le playset? Non, c'est que la deuxième. Ou la troisième, c'est peut-être le playset celle-là. Mais d'ailleurs, j'en ai qu'un. Dernier booster de la première display. Ouais. Tracker psychique, Manirou psychique, Décharge de tonnerre, un secteur Exoscarabée, Exosphère Irène, Gaga Punk, Pinking Sauvage et une Exosphère Asophiel. Asophiel, il me semble que c'est que la deuxième que j'ai, hein, donc c'est vraiment bon. Hein. Alors, c'est vraiment bon. Je peux dire un truc? Vas-y. La collector a littéralement sauvé la display. Pour moi, c'est ça. Oh, je suis pas d'accord! Non, pour moi, la collector a sauvé la display. Oh, je suis pas d'accord! T'as eu tous les exauceurs qu'on a eu? Ouais, bon. Je suis pas d'accord! Ah, je suis tellement pas d'accord! Tiens, mets ça derrière ça. Ça, je vais ouvrir la deuxième display. Eh ben, écoutez, pour ceux qui sont sur le live, j'espère que vous avez chaud patate! Parce que. Bah, on a pas mal de choses. Là déjà une petite collector c'est déjà très très bien, c'est vrai que on est pas mal, même si apparemment on est mitigé pour certains parce qu'on n'a pas eu de d'ultra Breath Token, bah ouais mais on a eu l'ultra Exosar, donc bah moi je vais pas dire qu'on n'est pas content. Genre c'est trop bien tu vois. Il y a 4x6 chez Exosar et il y en a qu'une seule en ultra et on en a eu un exemplaire, ce qui est déjà pas si mal.
On a tendance à vouloir les jouer toutes en deux fois. Donc écoutez, une deuxième Ika Elise et j'ai le deck Exosor ce soir. Donc on passera en live building de deck, du coup, si jamais on chope une deuxième Ika Elise. Sinon, bah, juste on fera un bon récap après et ce sera déjà très très bien. Tiens, je te libère ça. Hop. Du coup, nouvelle petite display. Du coup, je continue avec le côté alors, gauche. Du coup, hop. Et tu finis voilà, avec donc, tu prends le côté gauche. Et je finirai avec le côté droit. Et tu peux mettre ça derrière toi. Vas-y. Du coup, c'est parti. Fracas psychique. Risbel. Caspitel, Coccinelle, Décharge de tonnerre, Italie, Univerixis. Oh, Univerixis, c'est pas mal ça. Pensez-y hein, pour votre deck Xyz, notamment Exosor, ça a l'air pas, ça a l'air de pas mal le booster. Je la connaissais pas, et c'est pas si con. Putain, genre vraiment. Comment t'expliquer que. T'es coincé ? Non, ça va, je suis pas coincé, mais le problème c'est que du coup j'étais pas trop. Oh, excusez-moi, je viens de taper dans le micro. Ah, et les oreilles. Ouais, ça peut aider. Hein. Je vais faire un truc simple. T'assors correctement ? Oh, ça va. Qu'est-ce que tu me dis ? Sorakusai, 1000 pattes. Appel à l'arsenal. Mutation d'insecte. Zara la âme. Risbel et une Asophiel. Allez ! C'est bon, t'as le playset de ta Asophiel. Asophiel, c'est sûr qu'on a le playset. Non, mais c'est très très bien ça. C'est très 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 bien. Castel, Solemn Strike, Exascarabée, Dracobac, Hommage Torrentiel, Io et Punk et Dangereuse Gabou. Ouais, mais tout à fait. C'est très très bien. On a ah, pas mal de Punk. Le... Hein, on a chez nos viewers un petit Thatcher. Donc on pourrait lui faire un beau pack. Tout en playset hein, quasiment. Hein. Ouais. Frelon, Carpe Diven, Nyan Nyan, Reporter d'Urgence, Zara la Hum, Guga Pukunk. Ouais. Et bah oui, bah, le dragon extraordinaire. C'est la deuxième qu'on a du coup avec la 4 qu'on a ouvert à l'extérieur du coup. Écoutez, pourquoi pas hein. Écoutez. I swear to God, si je chope pas une seule presto Ken, I'm gonna be mad. Armen, Forêt des Fleurs Perdues, Lien des Camarades, Peking Sauvage, Imitation d'Insecte, Exascarabée, Stella. Stella, bon là c'est sûr que j'ai le playset hein, du coup. Ouais, c'est Elise que j'ai pas le playset. Hein. Zach Talibur. Carpe Divem, Étoilé, Coccinelle, Carpe Mantivem, Appel Arsenal, Picofalina. Ouais. Bon, je strike un peu, je vous le dis d'avance. Hein. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Et là, rigolant, je crois pas son même strike. Voilà, la guimerde. Dunel, Forêt des Fleurs Perdues, Imitation d'Insectes, Sauterelle, Arment, Téléporteur d'Urgence, Inverixis. Carpe Divem, Goki Paul, Nyan Nyan, Arsenal Secret, Draco Bac, Draco Psychique, Souffle de la Résurrection. C'est bon, on a le PC de souffle. Comme par hasard. Hein. Oh, vas-y, vas-y. Excusez-moi. Ça fait pas de mal. Nashivari, Décharge de Tonnerre, Frelon, Irène, Mille Pattes, Téléporteur, Imaginerie. Les genres de TP qui vont être contents. Hein. Ah, c'est pas faux. Appel à l'arsenal, Coccinelle, Riffement Diablé, Arsenal Secret, Exascarabée, Lien des Camarades, Wagon. On a eu tout hein, chez Punk, hein, c'est pas possible. Hein. Ouais. Surprise Nashiwari, Pikmin Sauvage, Carpe Montante, Psycheur Psychique, Arsenal Secret, Imitation d'Insecte, Vadis. Moi je t'en rends celle, Zecta Calibur, Goki Paul, Papillon Étoilé, Exalucarne, Psychique, Stella. Bon bah c'est bien. Dans les 12 boosters, normalement il y a 2 ultras. S'il n'y a pas les 2 ultras, bah. Ou une deuxième collector, hein, on s'en fout. D'ailleurs, ça fait une collector de Brass Token juste pour me foutre le fun. C'est pas une collector d'Exosor. C'est vrai que toi tu serais content. Ah bah ça, je vais la revendre, on fait deux. Ah, tu peux se manger. Allez. Risbel, Goggy Paul, le petit terrain, le striker. Caspitel en x72. Dunmel et Asophiel en x42.
Irène, Castel, Maniro, décharge de tonnerre. Ah, c'est pour aventurier ça. Alors, on finit sur Libulu. Alors d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pas mis la super. On se ciel. On va faire le récap de la dispute hors vidéo et donc en live. Je t'en recèle, hein, un petit punk, la fusion, là. Et la troisième Madame Araignée, donc c'est le P7 pour Madame Araignée. Récord psychique, on a Armin, on a ça. Ah, la deuxième Élise. Ça, c'est bien. Hein. Normalement, il faudrait jouer... Il semble que c'est 3 Élise, 3 Sophia, et non, c'est 3 Élise, 2 Irène, 2 Sophia, mais du coup, il y a 3, celle qu'on a eu là, peu longtemps, Stella 3. Ceci dit, tu peux tout à fait modifier le ratio pour avoir les deux couples en 2 et 3. Donc, c'est très très bien. Ça ira, j'ai 22 Élise. Pour bien faire, dans les boosters qui restent là, il me faudrait une deuxième Sophia. Il faut jouer le deck ce soir. Si j'ai qu'une seule Sophia, ça va être compliqué. En plus, tu me diras, il me manquera une seule carte. Ça va, quoi. Et sinon, ouais, il va manquer une Sophia. Ah bah, l'ultra Insector. Bah écoutez, y a peut-être des gens qui vont la jouer pour, je sais pas, les joueurs du Trooper, et ça prend pas ouais, cette carte-là. Un Insector Chaos, c'est pas dégueu, c'est un bon effet. Hein. Bah... Je pense aux joueurs Insectes aussi, tu vois. Ouais, Irène et Résurrection. Sous la Résurrection, on l'a eu, hein, c'est pas le problème. Hein. Spitel et donc Picofalena pour la super. Donc techniquement il reste une ultra. Et là je rigole, c'est une seule Breath Token, je prends toutes les sommes. Ah ouais, la Matter Gate c'est une super je crois, donc ça me va. Ah c'est vrai, on n'a pas eu une seule Pax. C'est vrai que Pax est en ultra. Ah oui c'est vrai. J'avais complètement oublié Pax dans l'ouverture des displays et Pax est très très importante aussi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on va l'avoir. Hein. Putain, on a pas une seule. On a qu'une seule Pax par contre. Bah. Ouais, ouais, mais c'est vrai que j'avais pas pensé parce qu'au moment où j'avais fait les déclisses sur Edo Pro et tout ça, Pax n'était pas annoncé donc on jouait sans Pax. Et c'est vrai que du coup, qu'il y a Pax maintenant à prendre en compte. C'est vrai que c'est une chose que j'ai complètement oublié. Vas-y, Amine, du coup. Donc, Hospital qui ouvre le booster. Hein. Et Libellule, par contre, ça va aller. Tu te sens bien. Bon, bah, dernier booster. Hein. Ouais. Comme tu dis, dernier booster. Tiens, tu veux du coup prendre tout ça derrière toi. On a un griffon errant. Juste qu'on fout ta merde. Ouais, c'est bien. C'est bien, on a un P7 de griffon. Hein. Par contre, j'ai aucune sorcière machin chose à comme ancienne, aucun rite d'Armésir. Et il me fallait une journée de Destiny. Allez, peut-être pour le plaisir, tu vois. Ben c'est génial, hein! Ah, on apprécie! Bon, après, j'ai pas non plus trop acheté dire de la merde. Bon, c'est normal, voilà, on peut pas non plus tout le temps avoir de la chance. Tu vas pas tout le temps avoir de la chance. C'est vrai que pour le coup, c'est moi qu'on a eu plus que toi. Mais récemment, c'est toi qu'on a eu pas mal hein, de chance. Par contre, c'était pas en vidéo, mais la MVP par exemple, la Iris. Bon, la MVP, finalement, je les ai revendues. Hein. Bah, non, la Iris. Voilà, c'est vrai que là-dessus, t'as eu des ouvertures qui avaient eu. Bah, après, c'est tout. Hein, un coup, c'est elle, un coup, c'est moi. Et oh, hein, au bout des mêmes. Par contre, pourquoi ma cam, tout est corsé dans ma cam. Bah normal, t'as tapé du poing. Non, mais là, non.
Je vais régler ça tout de suite après avoir coupé la vidéo là-dessus. On va prendre du coup le temps en live de régler ça sur la cam. C'est pas bien grave, on s'est amusé, on s'est fait tout pendant vous pour faire ça. Et en fait, on a fait une demi-heure pour deux displays. Mais finalement, on a été vite. Tu vois, je te l'avais dit. Ouais, finalement, on a été vite. Donc, ouais, on finit quand même sur cette petite collector qui sera juste là. Là, madame Punk, du coup, la danse de l'ombre. En plus, on l'a pas eu autrement, elle a eu que en collector, hein, donc ça se dit. Hein. Bon, écoutez, on se laisse là-dessus pour la display, pour cette ouverture, du coup, et sur ce, je vous dis d'un bisou pour la vidéo. Et nous, en live, on continue avec le récap de la display, voir un peu ce qu'on a eu. Et faire les tours des playsets potentiels qu'on a eu. Allez, sur ce, je vous dis bisous. Et n'oubliez pas de dire que vous aimez aux personnes que vous aimez. J'ai arrêté ma phrase de fin. Je la reprends. Donc, n'oubliez pas de dire aux personnes que vous aimez, que vous les aimez. Parce qu'on n'y pense jamais assez. Et sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.